Gérald, il y a une interrogation qui me fascine. J'en ai déjà parlé dans cette émission, sans citer de nom. J'ai parlé avec des anciens joueurs de gros calibre, tu vois, des mecs qui ont été internationaux, etc. Certains me disent, jouer la Juve, qui aura une douzaine de matchs dans les jambes, etc., on va arriver avec un avantage, c'est clair, net et précis. Et d'autres m'expliquent tout l'inverse en me disant, mais au niveau de l'impact, au niveau machin, ils seront tellement plus forts que nous que ça va être très compliqué. Quelle est ta position ? Ben, j'entends les deux. Comment te dire ? Évidemment, eux vont avoir plus de 12 matchs de compétition officielle dans les jambes, donc ils vont vraiment être rodés. Nous, on aura notre préparation avec des matchs amicaux et un match officiel, la finale contre Paris. Donc, on est vraiment pas au même niveau. Maintenant, est-ce que d'être au 12e match officiel, plus des matchs amicaux avant, ils ne peuvent pas se retrouver dans un cycle où ils peuvent accuser le coup de cette première partie de saison, comme nous, on peut l'accuser en temps normal vers fin octobre, novembre. Voilà. Donc, c'est possible qu'eux aient un petit coup de moins bien et que nous, on soit toujours dans notre montée en puissance. Et c'est fort probable. Voilà, c'est fort probable.